الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فإن أعظم العلوم على الإطلاق معرفة الله سبحانه وتعالى الرب العظيم بأسمائه وصفاته. Sachez que la science la plus noble qui soit, la plus importante, la plus bénéfique, est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur immense à travers ses noms et ses attributs. Et ses noms et ses attributs, on les trouve en lisant le Coran, en lisant la Sunna, tout comme nous les trouvons sur la parole des pieux prédécesseurs. C'est la science la plus bénéfique, la plus noble. Et c'est la plus grande chose qui a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un des buts premiers de l'envoi des messagers et de la révélation des livres. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut se passer de cette connaissance. Nous savons tous qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés pour une grande sagesse et un but ultime qui n'est autre que d'adorer Allah azza wa jal seul d'un culte sincère. Et pour ce faire, il faut le connaître. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Pour ce faire, il s'est fait connaître à nous à travers des versets, à travers des ayat. Et il nous dit: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah est celui qui a créé sept cieux, et pareillement pour les terres, c'est-à-dire sept. L'un se succède entre les deux, afin que vous sachiez. Pourquoi cette création? Pourquoi cette rububiyya? Pourquoi montrer cela? لِتَعْلَمُوا, pour que vous sachiez, pour que vous connaissiez Allah subhanahu wa ta'ala. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, pour que vous sachiez qu'Allah est parfaitement omnipotent. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, et qu'Allah a embrassé de sa science toute chose. Donc, cette science-là, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la base première. C'est le fondement de cette religion. C'est la matière la plus noble. Et celui qui entre dans cette science, il sera dans un jardin du paradis avant d'accéder au jardin du paradis de l'au-delà. Et il fut dit anciennement: Man lam yadkhul jannata ad-dunya la yadkhul jannata al-akhirah. Celui qui n'entre pas dans le paradis de ce bas monde n'entrera jamais dans le paradis de l'au-delà. Quel est ce paradis? Ma'rifatullah wal-unsu bih. C'est la connaissance d'Allah et se sentir proche de lui. La connaissance d'Allah et se sentir proche de lui. Wa bidirasati hadha al-fiqh al-azim wal-fann al-jalil ينال العبد أعظم المنازل ويسعد أيما سعادة. En étudiant cette matière, la croyance authentique, la connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs, le serviteur sera élevé au plus haut degré dans ce bas monde et l'au-delà, et il atteindra un bonheur qu'il n'imaginait pas possible dans ce bas monde. Subhanallah. Allah nous dit dans le Coran: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Il nous dit également: وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. À lui appartient la plus belle description, ni les meilleurs attributs. الْوَصْفُ الْأَعْلَى الْأَكْمَلُ, le plus complet. Il nous dit: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. As-Samad, celui qui atteint la perfection de tout point de vue.
Donc le seul qui mérite qu'on se dirige vers lui, subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad, n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. En étudiant cette science, tu seras aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tu seras agréé chez Allah tabaraka wa ta'ala. Un sahabi, en voyage, dirigeait la salat. Et à chaque fois avant de conclure, dans la lecture, il récitait « Qul huwallahu ahad ». Ses compagnons lui ont dit « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Il a répondu « Si vous voulez que je reste votre imam, et probablement qu'il avait été désigné par le prophète alayhi salat wa salam, je ferai toujours ainsi. » En rentrant, ils ont dit au prophète alayhi salat wa salam ce qu'il a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Salou, li ayy shayin kana yasna'u dhalik ?» Demandez-lui pourquoi est-ce qu'il faisait ainsi. Lorsqu'on lui posa la question, il répondit لِأَنَّ فِيهَا صِفَةَ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ الرَّحْمَنِ. Il a répondu car dans cette sourate, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, il y a les attributs du tout miséricordieux. Et j'aime le tout miséricordieux. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit أَخْبِرُوا, informez-le, an Allah qad ahabba, qu'Allah l'a aimé. Qu'Allah l'a aimé. C'est un amour par lequel Allah Azza wa Jalla met les gens fil Jannah. Cette connaissance est une cause pour entrer fil Jannah. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit inna lillah mi'atasm illa wahid. 99 asma al-mi'a illa wahid. Man ahsaha dakhala al-jannah. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Allah 99 noms. 100 moins 1. Celui qui les mémorise, les comprend et adore Allah avec, entrera au paradis. Man ahsaha et man addaha wa fahima ma'naha wa abada Allah bi muqtadaha. Man ahsaha, celui qui les mémorise, c'est pas juste les dénombrer, les énumérer, mais comprendre le sens et adorer Allah Azza wa Jal selon ce qui découle de ces sens. Par exemple, tu sais qu'Allah c'est Tawwab, dès que tu tombes dans un péché, tu te repens. Tu sais qu'Allah Azza wa Jal c'est le Ghaffar, tu te fais beaucoup d'istighfar. Tu sais que c'est le Basir, le Samir, tu dis beaucoup de bien et tu vas dans les endroits de bien. Tu retiens ta langue devant le mal, tu ne vas pas dans l'endroit où il y a le mal. Et dire tu adores Allah Azza wa Jal selon le sens de ses noms et de ses attributs. Ibn Athim rahimahullahu ta'ala nous dit que le serviteur ne pourra jamais adorer Allah Azza wa Jal comme il convient de le faire si ce n'est après l'avoir connu. Si ce n'est après l'avoir connu. Et cette connaissance sera le plus grand moteur qui te permettra d'être un serviteur pieux. Cette connaissance sera le plus grand moteur. Il n'y a pas au-dessus de ça quelque chose. Parce que la noblesse de la science, elle est en fonction de ce que tu étudies. Et là, tu étudies les noms d'Allah Azza wa Jal, les attributs d'Allah, les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce qu'on connaît plus immense qu'Allah Azza wa Jal, plus grand qu'Allah Azza wa Jal? Jamais. Man arafa Allah ahabba. Celui qui connaît Allah, il l'aimera. Celui qui connaît Allah, il l'aimera. Wa kullama kana al-'abdu a'raf كان لله أتقى ولما عنده أطلب وعن معصيته أبعد. Les salafs disaient من كان لله أعرف. Plus la personne connaît Allah, plus il aimera Allah, plus il fera d'efforts pour se rapprocher de lui, plus il fera d'efforts pour s'éloigner de sa désobéissance. La connaissance d'Allah Azza wa Jal أصل كل خير. La connaissance d'Allah Azza wa Jalla à travers ses noms et ses attributs, c'est la base de tout le bien. Wa fi hadha al-majlis insha'Allah ta'ala natafaqqah fi ismin min asma'illah al-husna. Et dans cette assise, nous allons nous instruire et étudier un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala les plus sublimes. Et tous le sont. Ala wa huwa ismuhu as-sami'. Le nom d'Allah Azza wa Jalla, as-sami'. As-Sami' c'est l'audient. Du Sam' al-Kamil, al-Shamil, jami' al-Sawtiyat.
As-Sami', c'est l'audient, celui qui entend tout, celui qui entend l'ensemble des sons. Subhanahu wa ta'ala. Wa wasmun takarrara wuruduhu fil Qur'ani fima yaqrubu min 50 mawdi'an. Ce nom-là est venu dans le Coran de nombreuses fois. Près de 50 fois, le nom d'Allah Azza wa Jalla, As-Sami' est mentionné dans le Coran et répété dans le Coran. Ça montre l'importance de connaître ce nom, de l'étudier. Parce qu'il est venu de nombreuses fois. Si un mot vient une fois dans le Coran, ça mérite de notre part de chercher sa compréhension. Que dire alors si c'est un des noms d'Allah ? Que dire alors s'il se répète une dizaine de fois, une vingtaine de fois, et là près d'une cinquantaine de fois ? Il ne convient pas aux musulmans de passer devant le nom d'Allah Azza wa Jal et de ne pas chercher à le comprendre, sachant qu'il a été créé que pour adorer ce Seigneur subhanahu wa ta'ala. Parmi ces versets, dans Suratul Mujadila au début, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ Allah a certes entendu قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Lorsque la femme est venue se plaindre de son époux au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez Aïcha, elle lui a mentionné des choses. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé qu'il a bel et bien entendu celle qui est venue discuter de son époux et se plaindre à Allah. Allah Azza wa Jalla dit qu'il a entendu cela. On nous mentionne l'attribut d'Allah Azza wa Jalla, qad sami'a, et du verbe on tire l'attribut as-sam'a. Puis on nous cite de manière explicite que parmi les noms d'Allah Azza wa Jalla, il y a As-Sami' Inna Allah Sami'un Basir. Certes, Allah est audient et clairvoyant. Donc, parmi les noms sublimes d'Allah Azza wa Jalla, il y a As-Sami' celui qui entend tout, l'audient. Dans Surat Ash-Shura, le verset 11, la fin du verset, Laysa kamithlihi shay'. Il n'y a rien qui lui soit similaire, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. C'est lui l'audient, celui qui entend tout, le clairvoyant. Dans Surat al-Baqarah, le verset 127, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et lorsqu'Ibrahim élevait les fondements de la maison, la Kaaba, ainsi qu'Ismaïl, tout en disant, ce qui est sous-entendu, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. Ô notre Seigneur, accepte cela de nous. Tu es certes l'audient, le savant. Quant au sens du nom d'Allah Azza wa Jal, As-Sami' huwa alladhi yasma'u jami'a al-aswat 'ala ikhtilaf al-lughat wa tafannun al-hajat wa qad istawa fi sam'i sirr al-qawli wa jahri wa jahruhu sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar. وسمع سمعه الأصوات كلها فلا تختلف عليه أصوات ولا تشتبه ولا يشغله منها سمع عن سمع ولا يغلطه أو يغلطه تنوع مسائل ولا يبرمه كثرة السائلين السميع. C'est celui dont l'ouïe a atteint l'ensemble des sons. Il n'y a pas un son qui soit sans que l'ouïe d'Allah n'y soit attachée. Rien n'échappe à l'ouïe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il entend tout parfaitement. Malgré la diversité et la multitude des langues, et malgré la différence des demandes de ceux qui l'invoquent,
Rien ne se mélange chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et auprès de lui sont équivalents les messes basses et les paroles à voix haute. Que la personne parle doucement ou fort, en cachette ou en public, tout cela est égal chez Allah subhanahu wa ta'ala, il entend le tout parfaitement. Comme dans le verset dans Sourate Ar-Ra'd, le verset 10, Sawa'un minkum, c'est égal qu'il y ait parmi vous ceux qui parlent en secret ou ceux qui parlent en public, yani en élevant la voix ou à voix parlée, ou ceux qui se cachent dans la journée, ou bien qu'ils soient en plein jour. Allah Azza wa Jalla entend le tout. Il entend le tout. Rien ne se mélange auprès de lui, ni n'est difficile. Et le fait d'écouter des choses et des sons ne l'empêche et ne le distrait aucunement d'entendre d'autres sons. Mafhoum ? De par la perfection de l'ouïe d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tout le monde l'invoque en même temps et tout le monde lui demande en même temps, quelle que soit la diversité de ces gens-là et de leur origine, ben il n'y a pas un son qui va se mélanger à un autre chez Allah. Ni une demande qui va occuper Allah d'écouter une autre demande. Il entend l'ensemble. Subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas sujet à l'erreur devant la multitude des demandes. Si toi, une personne vient et s'adresse à toi et qu'elle mentionne plusieurs points, il se peut que tu sois concentré et retiennes une partie et une autre, tu en sois distrait. Que dire alors si c'est plusieurs personnes qui viennent à des moments, à des intervalles différents. Mais là, on te parle de plusieurs demandes, de plusieurs personnes qui s'adressent au même et au même moment. Subhanallah. Comment est-ce qu'on pourrait écouter toutes ces personnes? Puis on ajoute à ça qu'ils n'ont pas les mêmes langues. Puis on ajoute à ça qu'ils n'ont pas les mêmes demandes. Qui pourrait suivre? Ibn Adam, le fils de Adam, il a un sam', il a une ouïe. Mais qui sied à sa faiblesse de créature. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, lui, c'est Allah, celui qui a la perfection absolue. C'est Samad, c'est Sami', Haqqan. Allah azza wa jalla, lui, c'est l'audient par excellence. Rien ne se mélange, rien ne se perd, rien ne lui est difficile. Il entend l'ensemble en même temps, malgré la multitude des langues et la diversité des demandes. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala nous mentionne l'histoire de l'Mujadila dans le hadith de Aïcha. Cette femme qui est venue se plaindre au prophète alayhi salatu wa salam lors d'un différend avec son époux. Qalat, Aïcha nous mentionne cette histoire et dit Alhamdulillah alladhi wasi'a sam'uhu al-aswat. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Celui dont l'ouïe a embrassé tous les sons. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول ما أسمع ما تقول. Assurément, la femme, la plaignante, est venue voir le prophète sallam pour lui parler, et moi j'étais dans un coin de la maison. Et je n'entendais pas ce qu'elle dit, ce qu'elle disait. Puis Allah, alors qu'Allah a révélé, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. Alors qu'Allah a révélé, Allah certes entendu celle qui est venue discuter avec toi au sujet de son époux. وَتَشْتَكِ إِلَى اللَّهِ. Elle se plaint à Allah. وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَرَّ. De cette discussion-là, Allah Azza wa Jalla l'a entendu. Allah Azza wa Jalla l'a entendu. Inna Allah sami'un basir. Allah est certes audient et clairvoyant. Dans une autre version, Tabarakalladhi wasi'a sam'u kulla shay'.
immensifié soit celui dont lui a embrassé toutes choses. بل لو قام الجن والإنس كلهم من أولهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في صعيد واحد وسألوا الله جميعا في لحظة واحدة وكل عرض حاجته وكل تحدث بلهجته ولغته لسمعهم أجمعين. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى dans son fiqh al-asma al-husna, duquel je vous mentionne la plupart de ses paroles, nous dit: plus encore, si l'ensemble des djinns et des humains, du premier jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal, yani jusqu'à la fin, se réunissaient sur une seule et même place, et que chacun, au même moment, se serait adressé à Allah Azza wa Jal pour lui demander leurs besoins, et que chacun aurait parlé dans sa langue, dans son dialecte, Allah Azza wa Jal les aurait tous entendus, en même temps, sans qu'une voix ne se mélange à une autre. Sans qu'une langue ne se mélange à une autre, sans qu'un besoin ne se mélange à un autre. Et parmi les preuves de cela dans le hadith Qudsi, Ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Et dans le hadith Atamdi 20, on trouve: ô vous mes serviteurs, si du premier au dernier, les humains et les djinns, vous serez tous et réunis sur une seule et même place, et que chacun me demandait son besoin, en donnant à chacun ce qu'il a demandé, cela ne diminuerait en rien de ce que je possède, si ce n'est ce qui est diminué de la mer lorsqu'on y entre une aiguille et on en ressort. Et ici, on nous montre quoi? Que si toutes ces créatures-là s'adressaient à Allah en étant sur la même place, au même moment, avec des demandes différentes, donc des langues différentes, Allah Azza wa Jalla a entendu l'ensemble. Allahu Akbar. Allahu Akbar. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ. Voici Allah votre Seigneur. سَمْعٌ كَامِلْ. Une ouïe parfaite. Rien ne peut lui faire défaut. Ça c'est le célèbre hadith d'Abi Dharr dans Sahih Muslim. Dans le Bukhari Muslim, on trouve le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا اذا علونا كبرنا فقال اربعوا او اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا قريبا. Alors que nous étions en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous gravissions un mont, ou bien lorsque ça montait quelque peu, on disait Allahu Akbar. C'est une sunnah lorsque ça monte en voyage, tu dis Allahu Akbar. Quand ça descend, tu dis Subhanallah. Et ils élevaient la voix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: soyez doux envers vos propres personnes. Certes, vous n'invoquez pas un sourd ni un absent. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il est sami', il entend tout, et il est qarib, il est proche des croyants. Mais vous invoquez plutôt un audient, clairvoyant et proche. وقد أنكر الله سبحانه ظن من ظن من المشركين أن الله لا يسمع السر والنجوى. الله عز وجل أسهت بلامي. Ceux qui ont pensé parmi les associateurs qu'Allah Azza wa Jal entendait certaines choses, mais n'entendait pas d'autres. Qu'est-ce qu'il entendait selon eux? Ceux qui étaient prononcés à voix haute. Et qu'est-ce qu'il n'entendait pas selon eux? Ceux qui étaient prononcés à voix basse, en secret et les messes basses. Allah subhanahu wa ta'ala a donc dit: أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ. Pense-t-il que nous n'entendons pas ce qu'ils disent en secret? Bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Bien au contraire.
et nos messagers auprès d'eux. Note, en plus qu'Allah Azza, du fait qu'Allah Azza l'entende, il met des témoins sur nous parmi nos membres et des témoins avec nous parmi les anges qui notent, afin que la justice soit apparente yawm al-qiyamah. Allah Azza wa Jalla est juste, même sans ça. Mais on va la rendre apparente yawm al-qiyamah. Par exemple, il y aura le mizan, il y aura la balance. Par exemple, il y aura la remise des feuillets, des livres. Et on va dire au serviteur, est-ce que tu as agréé si les témoins sont tes propres membres? Il va être satisfait. Mais qui va mieux témoigner pour toi que ta propre personne? Puis on va lui mettre sur la bouche de quoi le faire taire, il ne pourra plus parler. Et on va ordonner à ses membres de parler. Subhanallah al-Azim. Subhanalladhi antaqa kulla shay. Subhanalladhi, celui qui a fait parler toutes choses. Il va faire parler les membres d'Ibn Adam. Ses membres, ils vont témoigner. Puis il dira, c'est pour vous que je me battais. Malheur à vous, c'est pour vous que je me battais. Et la justice, elle sera rendue, elle sera apparente. Et Allah Azza wa Jalla est juste avant ça et après ça. Naam. Mais le fils de Adam est un discuteur acharné. Dans le Bukhari et Muslim, son Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu, قال اجتمع عبد عند البيت قرشيان وثقفي وثقفي أو ثقفيان وقرش. On nous mentionne dans le hadith que deux hommes de Quraysh et un de Thaqif, ou bien deux de Thaqif et un de Quraysh, se sont réunis auprès de la Kaaba. كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. Quant à leur masse corporelle, elle était grosse, mais quant à leur compréhension de leur cœur, elle était basse. قال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول. C'est en train de parler, l'un a dit à l'autre, ou l'un d'entre eux dit, pensez-vous qu'Allah nous entend là? Pensez-vous qu'Allah nous entend là? قال الآخر, l'autre a dit, يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. Quelle fut la mauvaise réponse prononcée par cet homme-là? Il entend si nous parlons à voix haute et il n'entend pas si nous parlons à voix basse. Vous voyez la gravité de ne pas étudier la connaissance d'Allah, de ne pas connaître Allah Azza wa Jal, ça t'amène à des paroles gravissimes, à un manque de respect, na'oudhu billah, que les animaux n'ont pas commis. Wa qala al-akhar, un autre dit, in kana yasma'u idha jaharna, fa innahu yasma'u idha akhfayna. Un autre a dit, mais non, s'il nous entend quand nous parlons à voix haute, il nous entend également si nous parlons à voix basse. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Allah a donc révélé des suites de cela. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Et ces gens-là n'avaient pas pensé qu'on puisse faire témoigner sur eux-mêmes leur oui, leur vue, leur peau. Mais vous avez plutôt eu comme opinion d'Allah qu'il ne connaissait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Vous voyez cette mauvaise opinion d'Allah, cette mauvaise connaissance d'Allah amène à une mauvaise opinion d'Allah. Cette mauvaise opinion d'Allah amène la transgression et le péché. Quant au croyant qui sait qu'Allah l'entend, il retient sa langue. Il retient sa langue parce qu'il a la certitude de la perfection d'Allah dans tous ses dons, dans tous ses attributs. Donc il ne va pas se permettre de dire une chose, il sait que c'est la colère d'Allah. Il sait qu'Allah l'entend. Mais il médite ses paroles avant de les prononcer. S'il est en privé avec son ami et il s'apprête à parler sur une tierce personne et que c'est de la médisance, il retient sa langue. Et s'il est distrait, alors son ami, il sait qu'Allah les entend. Il lui dit, crains Allah, retiens ta langue. Je ne participe pas à ça. Oui, mais tu ne te rappelles pas quand il a. Je ne veux, veux pas le savoir. Moi, ce que je sais, c'est qu'Allah nous entend. C'est haram. Ça, c'est faire l'abtal. Ça, c'est les actions des forts parmi les hommes.
Quant aux faibles, vous n'arrivez pas à ce niveau-là. Faire taire celui qui commet le péché parce qu'il sait qu'il est entendu chez Allah Azza wa Jal et qu'il aura des témoins de cette situation yawm al-qiyama et qu'il va être amené à comparaître. Qui réfléchit comme ça? Ceux qui connaissent Allah Azza wa Jal. Ma ahwajana ila hadha al-ilm, ikhwani. Ô combien est grand notre besoin, ô combien est grand notre besoin devant cette science. Et tu peux trouver un talib ilm. Yahfad al-Qur'an, yahfad min al-sunnah, ta'allama tafaqqaha fi al-lugha wal-fiqh wa sira wal-usul kadha. Mais ma yamlik lisana. Je peux trouver un talib ilm qui a étudié 5 ans, 10 ans, plus, moins. Yahfad al-Qur'an, et un peu de sunnah, et il a étudié dans l'arabe, et dans l'usul fiqh, et dans le salah hadith, kadha. Mais dans une assise, il n'arrive pas à retenir sa langue du haram. Il n'arrive pas. À chaque fois qu'il passe dans un endroit, il est obligé de sévir avec sa langue. Il n'arrive pas. Comme a dit le poète, Inna lisani subur. Ma langue, c'est un fauve. Si je délie, si j'enlève ses chaînes, elle me mange. Il me mange. Subhanallah. Ça, c'est une réalité. Celui qui ne craint pas Allah Azza wa Jalla avec sa langue, il y a un dame, subhanallah, il regrette. Il regrette. Et s'il fait partie des pires d'eux, il va, et qu'il regrette, il n'arrive même pas au niveau de regretter dans ce bas monde, il va regretter Yom Al-Qiyam. Il va regretter Yom Al-Qiyam lorsque les gens vont venir se servir de ses hasanat. C'est le jour des comptes. Yom Al-Din. C'est le jour de la grande perte. Yom Al-Tarabu. Yom Al-Hisab. Yom Al-Qiyam. Il y aura le Hisab, il y aura le jugement. Si tu as parlé sur une personne, si tu as opprimé une personne, il va venir se servir de tes hasanat. Fanyat hasanatu. Et dans le cas où il n'a plus de hasanat, alors il se décharge de ses péchés. Al-amru khatir, c'est très dangereux. L'ignorance des noms d'Allah Azza wa Jal et de ses attributs amène l'égarement et le péché. Amène l'égarement et le péché. Et ce contexte-là, ces textes-là nous montrent quoi? Que la mauvaise croyance, que la mauvaise connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms, de ses attributs, ça amène les mauvaises actions. Fasad ou l'aqida, allati tata'allak bil rabbi al-azim, wa sayyidi al-jalil, tufdi ila fasad al-a'mal. Ça c'est très important de le comprendre. Que la mauvaise croyance amène aux mauvaises actions et à l'égard. À l'inverse, celui qui a une bonne croyance, ça va l'amener aux bonnes actions, parce qu'il a une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que la suite du verset en sourate Fussilat, après le verset 20, « وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ » Allah Azza wa Jal, après nous avoir mentionné ces gens-là, nous dit que cette opinion, et voici l'opinion, la mauvaise opinion que vous avez eue à l'égard de votre Seigneur, c'est celle-ci qui vous a fait périr. C'est celle-ci qui vous a plongé dans ces problèmes-là, dans ces défauts, dans ces péchés. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Vous voici donc désormais du nombre des perdants. Du nombre des perdants. Ça, c'est l'effet de la mauvaise croyance. Les gens pensent que la croyance, c'est sur le papier. C'est-à-dire, tu apprends, tu divises, tu apprends les définitions, tu fais ton cahier. Et tu dis, le plus important, c'est la aqidah. Certes, le plus important, c'est la aqidah. Mais où est la aqidah dans l'amal? Où est la aqidah dans l'amal? Il y a des awam qui n'ont pas étudié grand-chose. Mais ils ont cette chose-là. La maman, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Mais quand tu lui dis, rajoute de l'eau dans le lait pour le vendre, elle dit, mais c'est haram. Allah, il nous voit. Et elle est étonnée de la demande. Ou quand tu l'appelles à tricher, elle dit, mais on ne peut pas, c'est haram. Allah, il sait si on le fait. Alors qu'elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Puis tu trouves celui qui a étudié, qui dit l'aqida matin, midi, soir. Quand il est dans un ibtila, quand il est dans l'épreuve, il triche. Ou bien il ment. Ou bien il désobéit. Allah Azza wa Jal. Yani, elle est où l'aqida? L'aqida, ce n'est pas que sur le stylo, sur le papier. L'aqida, ça doit être dans le cœur, ça doit se répercuter sur la langue et les membres. Dans le quotidien, cette aqida, elle doit se répercuter. Cette connaissance que tu as du nom d'Allah, Es-Sami',
il faut qu'elle se répercute dans ta vie au quotidien. Il ne faut pas que ça reste qu'une image, qu'un écrit, qu'un cours. Quand tu sors du cours, ce cours-là, son but, c'est l'amal. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne va pas avancer. Le but du cours, c'est pas d'embellir les feuilles. Le but du cours, c'est l'amal. C'est la mise en pratique. C'est la réforme, la correction. Par contre, si on vient en cours par délice, parce que c'est agréable, ou par farag, parce qu'on a du temps, ou par habitude, ou j'en passe, et qu'on n'a pas pour intention d'appliquer, de se corriger, à ce moment-là, tout ce qu'on entendra, ça sera une preuve contre nous. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wasalam nous dit wal Qur'an hujjatun laka aw alayk. Le Qur'an, c'est une preuve pour toi ou contre toi. Cheikh Abdel Mohsen Abbad dit, c'est-à-dire si tu l'appliques et mets en pratique ses préceptes, c'est pour toi. Ça va te servir, ce sera une preuve pour toi. Ça va être utile et profitable dans ce bas monde, dans l'au-delà. À l'inverse, tu assumes et tu n'as pas fait, ça sera une preuve contre toi. Contre toi. Combien parmi les lecteurs, tu les vois désobéir à Allah Azza wa Jal, tu les vois mesdites que les nuits de Salat et Tarawih, que les nuits de Ramadan. Et c'est quel tatbiq du Coran ça? C'est quelle mise en pratique du Coran? Tu viens pas au mesdit toute l'année, tu viens un mois, la nuit seulement, pour Salat et Tarawih. Ensuite tu prends ce qu'on te donne et tu pars. Et on dit c'est un lecteur du Coran. Non. Yatlouna haqqa tilawati. Allah Azza wa Jal dit ceux qui le lisent réellement. Les savants expliquent, c'est-à-dire ri'ayatul al-huruf, et le psalmo dit correctement selon les règles de lecture du Coran. Mais en plus de ça, yatadabbaruna ay al-Quran, ils méditent les textes du Coran, ils cherchent à le comprendre. Et troisièmement, très, très important, ya'maluna bi. Naam, ils suivent ce qu'il y a dans le Coran. Idha talaha, yani tilawa, c'est le suivi aussi. Donc ça, c'est des notions, on ne doit pas en être distrait. On ne doit pas s'asseoir cours après cours, noter, repartir, pas changer. Wallah, c'est khatir jiddan. C'est très très important. C'est très très dangereux de s'adonner à cette pratique-là, de goûter à la science et de rester comme on est. C'est très dangereux. Et il fut dit dans le poème, وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلَ مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّدِ الْوَثَنِ. Et un savant qui avec sa science n'agissait pas, sera châtié avant les adorateurs des fausses divinités. Avant les adorateurs des fausses divinités. Car certes, celui qui sait n'est pas semblable à celui qui sait. Et dans le hadith, j'ai oublié, c'est le hadith d'Amr ou bien Abdullah ibn Amr al-As, en enfer, il y aura un homme qui va tirer ses boyaux, les tourner autour de lui comme l'âne tourne dans l'enclos. On va lui dire, oh, un tel, que fais-tu là? Que fais-tu en enfer? N'es-tu pas celui qui nous recommandait le bien et qui nous interdisait le mal? Il dira, certes, je vous ordonnais le bien, mais je ne le faisais pas moi-même. Et je vous interdisais le mal et je le commettais moi-même. Et dans Sourate Al-Asr, cette courte sourate, à propos de laquelle Imam Shafi'i dit, là où tafakkara an-nas fi hadhihi sourate, la kafatum. Si les gens avaient médité cette sourate, elle leur aurait été suffisante. C'est-à-dire pour les encourager à la science, à la mise en pratique de la science, à l'endurance dans tout cela, et Mahdi a invité les gens à ça et à endurer dans tout cela. Fal-amru jiddu khatir. Vous voyez ici comment leur ignorance devant ce nom d'Allah Azza wa Jalla Samir Ardahum. Ensuite on nous dit fa yasbiru fannaru. S'ils endurent, alors l'enfer sera leur finalité. L'enfer sera leur finalité. Ceci étant dit, ikhwan al-kiram, as-sam'u al-mudaf ila Allah azza wa jalla al-qasimu ila qismi. Quand on dit Allah entend, ou quand on dit sami' Allah, il y a deux sens. Il y a deux cas où ça se divise en deux. On peut dire ça se divise en deux. Premièrement, sami'a ou bien sam'un yata'allaqu bil masmu'at fa yakunu ma'nahu idraku as-sawt. Le premier sens, c'est le premier sens qui nous vient à l'esprit,
c'est-à-dire l'ouïe, c'est-à-dire qu'il entend les sons. Celui qui entend les sons. N'est-ce pas? Le deuxième sens, il est un peu plus subtil, c'est dans le sens de l'ijaba, c'est dans le sens de répondre à la demande. C'est dans le sens d'exaucer celui qui l'invoque. Sam'un bima'na l'istijaba. Ay annahu subhanahu yujibu man da'a. Wa minhu qawlu inna rabbaka la sami'u du'a. Le deuxième sens, c'est dans le sens où Allah Azza wa Jalla répond à l'invocation de celui qui lui demande. À cet effet, on a l'exemple du Coran dans Sourate Ibrahim, le verset 39. Inna Rabbi la sami'u du'a. Certes, mon Seigneur, la sami'u du'a. Ici, ça ne veut pas simplement dire certes, mon Seigneur entend les du'a. Mais plus encore, il les exauce et il répond à la demande. Est-ce que c'est compris? Allah Azza wa Jal entend, répond. Ici, c'est ce qui est voulu. Il répond, il exauce, il te donne ce que tu as demandé. Aussi dans la salat, quand tu te relèves du ruku', qu'est-ce qui t'est légiféré de dire? Hein? Sami'a Allahu liman hamida. Sami'a Allahu liman hamida. Ici, c'est quoi le sens de Semi'a? La simple entente? Le simple fait de toucher de son ouïe, d'embrasser de son ouïe ce son-là? Et point? C'est seulement cela? Ou ça veut dire Semi'a Allahu liman hamida? Qu'Allah exauce celui qui le louera. Puis les gens se lèvent et disent, une fois complètement debout, ils louent Allah pour entrer dans ça. Semi'a Allahu liman hamida, qu'Allah exauce celui qui le loua, et une fois complètement debout, tu loues Allah pour entrer dedans. Rabbana wa lakal hamd. N'est-ce pas? Donc ici, le sens de Semi'a Allah, il faut le comprendre. Qu'Allah exauce, qu'Allah réponde à la demande de, c'est le deuxième sens. Non pas le simple fait d'entendre. En méditant le Coran, les savants se sont rendus compte et sont arrivés à une conclusion qui est que le premier sens de sam, de semi'a, donc entendre, embrasser de son ouïe les sons, il vient dans les textes et il se divise en trois. Premièrement, premièrement, on parle de l'ouïe d'Allah et le but c'est la menace. Retiens ta langue, Allah t'entend. Retiens ta langue, Allah est audient. Vous comprenez le sens? Yani on te mentionne le nom d'Allah, l'attribut d'Allah. C'est quoi le but? C'est de te faire peur d'Allah. C'est de te menacer pour que tu délaisses le mauvais chemin emprunté. L'exemple, c'est ce que nous avons mentionné. C'est ce que nous avons mentionné de Sourate Az-Zukhruf, verset 80. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Pensent-ils que nous n'entendons pas leurs paroles en secret ni leurs paroles en public? Quand on leur dit ça ici, c'est quoi le but? C'est qu'ils se rendent compte qu'Allah Azza wa Jalla entend tout. Si Allah entend tout, il faut qu'on retienne notre langue devant le mal et qu'on prononce que le bien. Aussi, ceux qui ont manqué de respect à Allah Azza wa Jalla parmi les gens du livre en disant Inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. A'oudhu billah, qawm buhd. Ils ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches. Et Allah nous demande de lui prêter. Allah est pauvre, nous sommes riches. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Dans Surat Ali Imran, le verset 181, Allah a très certainement, et c'est pour appuyer et que ça s'est réellement passé, très certainement entendu la parole de ceux qui ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches. Subhanallah.
Donc ici, le but de la mention du sam' d'Allah, c'est quoi? C'est tahdid, c'est la menace. Le deuxième sens, c'est ta'yid. Ta'yid, c'est l'assistance. C'est pour te renforcer, t'assister. C'est pour t'aider, t'apporter secours. Ta'yid, l'assistance. Qu'a-qu'a-qu'a-li ta'ala li Moussa wa Haroun. C'était, à titre d'exemple, la parole de Moussa, ou la parole d'Allah à Moussa et Haroun, alayhi ma salam. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Certes, je suis avec vous. Ça, c'est le ma'iyatul khas. C'est quand Allah est avec toi de manière particulière. Il t'aide, il te secourt, il te défend, il te protège, il t'accorde le secours et l'assistance, la réussite. Ben après avoir dit ça, innani ma'akuma, on nous dit quoi? Asma'u wa ara. J'entends et je vois. Si tu sais qu'Allah azza wa jalla est avec toi, ensuite on te dit j'entends. Allah te dit j'entends. Ça fait quoi? Ça suscite quoi en toi? Hein? T'es apaisé, t'es tranquillisé. Le Seigneur immense, il m'entend. Et si j'ai un besoin, il sera là. Si je lui demande, il me répondra. Ma faute. Lorsque l'enfant a l'examen et sa mère, elle lui dit vas-y, je suis avec toi. Elle l'encourage, elle le motive. Mais s'il n'arrive pas à faire des calculs ou il n'a pas appris, à ce moment-là, personne ne va venir pour l'aider. Ça, il est là. Il peut invoquer personne, il peut demander de l'aide à personne. Là, c'est Rabbul Alamin, Tabaraka wa Ta'ala, Ilahul Awwalin wa Al-Akhirin. Amma yujibul Muttarra idha da'a wa yakshifu su. Qui est-ce qui dissipe l'affliction lorsque tu l'invoques? Naam. Wallahi, t'as un contrôle ou t'as kaza ou kaza. T'as oublié, t'as fait les causes, t'as oublié, c'est trop difficile. Tu fais du'a, Allah Azza wa Jalla yaftah alayk. Tu fais du'a, Allah subhanahu wa ta'ala yaftah alayk. On a vu des gens, ils étaient faibles dans les études, wallah. Ils étaient faibles dans les études. Un mois avant les examens, ils n'ont pas sorti du masjid comme s'ils faisaient l'i'tikaf. Hein? Ils ne sont pas sortis du masjid comme s'ils faisaient l'i'tikaf. Ils étaient là dans toutes les salawats. Entre chaque salat, ils avaient leur classeur, leur cours, kada, ils révisaient, ils apprenaient, vous êtes du'a. Naam. Et ils faisaient du'a, ils faisaient du'a. Ils sont sortis avec leur diplôme alors qu'ils sont faibles. Eux, ils savent et nous, on sait. Ils n'ont pas travaillé, ils ne sont pas sérieux. Mais, subhanallah, ils ont demandé à Allah Azza wa Jalla, Allah leur a donné. Ils ont demandé à Allah Azza wa Jalla, Allah leur a donné. Donc ici, c'est ta'yid, c'est l'assistance. Allah Azza wa Jalla a voulu renforcer Moussa et Haroun ou yani, appuyer Moussa et Haroun, si on peut dire ainsi, leur porter assistance de par la mention qu'il les entendait et qu'il les voyait. Le troisième but ou sens de dhikr al-sam' c'est ma yuqsadu bi bayan al-ihata. On mentionne oui d'Allah pour montrer qu'Allah Azza wa Jal embrasse toute chose de mada de son oui. Et qu'il entend tout sans exception. Comme dans le verset, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawrakum inna Allah sami'un basir. Allez ici quand tu entends ça, tu arrives à la conclusion qu'Allah entend tout. Une femme qui est dans le coin, une femme qui est dans un appartement, une deuxième qui est dans le même appartement, elle n'entend pas ce qui se dit. Et Allah au-dessus des sept choses, son arche, subhanahu wa ta'ala, son arche qui déborde les cieux et la terre. Allah a entendu? S'il a entendu ça, c'est qu'il entend tout, subhanahu wa ta'ala, sans exception. On marche. Et il y a des milliers de fourmis autour de nous, ça, oh là là. Sous nos pieds, on n'entend même pas un son. Alors qu'il y a une vie, il y a toute une société. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala, dans la nuit ténébreuse, dans les vents, dans les pluies, dans tout ce que vous voulez, les pas de la fourmi sur la roche, Allah azza wa jalla les entend.
Subhanaka Rabb. Les pas de la fourmi sur la roche, Allah Azza wa Jal les entend. La feuille qui tombe, Allah Azza wa Jal l'entend. Les plaintes de la femme opprimée dans un village, esselée, retirée, Allah Azza wa Jal l'entend. La souffrance du serviteur, pauvre, faible, connu de personne, opprimé par une personne au fin fond du monde, lorsqu'il invoque Allah, Allah l'entend. Et personne n'est au courant de sa situation. Celui qui souffre de problèmes plus lourds sur son dos que des montagnes, quand il se lève au plein milieu, en plein milieu de la nuit, au dernier tiers de la nuit, et il lève les mains et demande à Allah Azza wa Jal, Allah l'entend. La femme qui n'enfante pas, qui est éprouvée, qui fait toutes les causes pour avoir un enfant, et personne ne connaît son état, sa souffrance, elle invoque Allah en sujoud. Elle n'est vue de personne dans sa pièce. Allah Azza wa Jal au-dessus des sept au-dessus du trône l'entend. Celui qui a commis des péchés, il a honte, Allah l'a couvert, il regrette, il pleure, personne ne le voit. Et il demande pardon à Allah Azza wa Jal pour ses péchés. Allah l'entend. Allah l'entend, subhanahu wa ta'ala. Il entend tout, Azza wa Jal. Wallahi, même les pas de la fourmi dans la nuit ténébreuse, un soir de tempête, les pas de chaque fourmi, Allah Azza wa Jal les entend. La feuille et le son qu'elle fait en tombant, Allah Azza wa Jal l'a embrassé de son. S'il en est ainsi pour ces créatures qui ne sont pas sujets au jugement, les feuilles et les gouttes de pluie qui tombent, chaque goutte de pluie qui tombe sur la terre, Allah Azza wa Jal l'entend. Chaque goutte, goutte après goutte, aucune se mélange. Que ce soit dans tel pays ou dans d'autres, tous en même temps, Allah Azza wa Jal, tous cela en même temps, Allah Azza wa Jal embrasse les autres. Lui au nord invoque Allah Azza wa Jal, il demande son besoin. L'autre au sud, il demande Allah Azza wa Jal. Au même moment, Allah Azza wa Jal leur répond. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Où que tu sois, quel que soit ton problème, tawajjah ila Allah Azza wa Jal. Fa huwa al-mufarrij li kurubat. Où que tu sois, quelle que soit ta situation, demande à Allah Azza wa Jal, Allah t'entend et c'est lui qui te délivre de chaque situation, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a rendu caduc le fait que les associateurs se dirigent vers les fausses divinités du fait qu'elles n'entendaient pas. Le fait d'avoir un sam', c'est un attribut de perfection qui lui vaut le mérite à l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est un sam' kamil, c'est un sam' qui va te servir quand tu vas demander. Quant à ceux qui n'entendent pas, oui, ils entendent une partie, pas une autre, ils entendent des fois et pas d'autres. Mais comment est-ce qu'ils vont te répondre? Comment est-ce qu'ils vont te répondre? Ils ne méritent pas l'adoration. Allah Azza wa Jal a la richesse parfaite, l'ouïe parfaite, la vue parfaite. C'est donc le seul qui mérite entièrement l'adoration. Quant aux fausses imités, elles n'entendent pas. Wallahu yaqudhi bil haqq. Walladhina yad'una min dunihi la yaqudhuna bi shay. Inna Allah huwa as-sami'u al-basir. Inna Allah huwa as-sami'u al-basir. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إبراهيم عليه السلام a utilisé le fait que les fausses divinités n'entendaient pas pour rendre bâtil à leur adoration, pour montrer que de les adorer c'est faux, c'est vain, c'est un égarement évident. Ô mon cher père, pourquoi adores-tu ce qui ni n'entend, ni ne voit, ni ne peut être utile? Ça, c'est la preuve que ça ne mérite pas l'adoration. C'est la preuve que ça ne mérite pas l'adoration. Ça, c'est dans Sourate Maryam, le verset 41-42. Dans Sourate Al-A'raf, Inna alladhina tad'una min dunillahi ibadan amthalukum. فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous.
Invoquez-les donc et qu'ils vous répondent, si vous êtes véridiques. Si vous êtes véridiques. Alahum arjulun yamshuna biha. Ont-ils des pieds avec lesquels ils peuvent marcher? Am lahum aydin yabtishuna biha. Ont-ils des mains avec lesquelles ils peuvent prendre ou bien taper? Am lahum a'yun yubsiruna biha. Ont-ils des yeux par lesquels ils peuvent voir? Am lahum adhanun yasma'una biha. Ont-ils des oreilles par lesquelles ils peuvent entendre? Ud'u shuraka'akum thumma kiduni fala tunziru. Puis on leur lance un défi. Invoquez donc vos associés. Puis complotez contre moi sans me laisser de répit. Allahu Akbar. Les défauts dans les noms, les attributs, les imperfections dans l'être sont des preuves manifestes que ces fausses divinités ne méritent pas l'adoration. Et que le seul à mériter l'adoration, c'est celui qui a la perfection. Allah tabaraka wa ta'ala. Pour finir, nous avons dit et répété que cette aqidah, cette croyance, elle ne doit pas rester navari, elle ne doit pas rester dans l'écriture, l'apprentissage, la mémorisation. Elle doit avoir un effet dans les cœurs, les langues et le quotidien de la personne. Ce ne serait pas exagéré de dire que si la personne étudie le nom d'Allah et Samir, ça, on va le savoir le lendemain sur lui. Pas le lendemain, dans la minute. Parmi les effets, hifdhul lisan, la préservation de la langue. La préservation de la langue. Les anciens étudiaient as-samt. Les anciens étudiaient l'observation du silence. As-sukut, c'est le fait de se taire. Mais tu n'as pas forcément la capacité de parler. As-samt, walladhi yahfadh lisana ma'al qudra 'ala at-takallum. As-samt, lui, il se tait malgré la capacité à s'exprimer, à parler, mais volontairement il observe le silence. Puis il parle que quand il y a un bien, quand il a la certitude que c'est un bien. Ben, les anciens, ils étudiaient. Certains disaient, j'ai étudié à Sam pendant des années. C'est pour maîtriser sa langue. C'est des pulsions les paroles, c'est des pulsions, ça ne se fatigue pas la langue. Mais celui qui veut le bien pour lui, il s'éduque, il éduque sa langue. C'est lui qui la maîtrise, c'est pas elle, elle le tient. Il parlera que quand il aura décidé. Passe comme une pulsion d'une personne qui n'a pas de raison. Il parle, il dit j'étais en colère. Ensuite il parle, il dit j'étais mada, j'ai pas fait attention. Puis il parle et il dit mais il m'a fait ça. Puis il toujours une excuse. Osmout, retiens ta langue. Maîtrise ta langue, contrôle ta langue. Combien sont ceux qui ont parlé, puis ils ont regretté? Mais combien sont peu ceux qui ont retenu leur langue, ils ont regretté? Ce que tu as retenu, tu peux le dire. Mais ce qui est sorti, tu ne peux pas le ravaler. La parole, tant qu'elle est en toi, c'est toi son maître. C'est toi qui la contrôle. C'est toi son maître. Une fois qu'elle est hors de toi, c'est elle qui te contrôle. C'est elle qui te contrôle, c'est elle qui devient ton maître. Hein ? Tu as besoin d'aller t'excuser ensuite. Ensuite, tu cherches une sortie. Ensuite, tu cherches un échappatoire. Mais pourquoi t'as parlé déjà ? من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. L'orientation prophétique est la suivante. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise de bien ou bien qu'il retienne sa langue. On n'a pas dit liyaskut, on a liyasmut. Yani, il peut parler à la capacité, mais que volontairement il retienne. Que volontairement il retienne sa langue. Ça aura comme effet sur lui de trier ses mots, de pouvoir dénombrer ses paroles. Les anciens, ils pouvaient dénombrer, énumérer leurs paroles du jour. Les anciens, ils arrivaient à dire, aujourd'hui j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Allahu Akbar. Naam. Nous, dans l'heure, peut-être, on n'arriverait pas à dire, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Parce qu'on parle, là nous bali, on ne fait pas attention à la gravité des mots. Il se peut que tu sortes une parole, tu brises le cœur de ton frère. T'as même pas fait attention. T'as même pas fait attention. Il se peut qu'avec une parole, tu détruises une famille. Avec une parole, tu détruis une famille. L'homme, il a 5 enfants,
Il a connu que cette femme elle a connu que lui. En une seconde, il a tout détruit. Il a divorcé une troisième fois. En une seconde, parce qu'il n'a pas retenu sa langue, il a détruit toute la famille. Les enfants, il ne va pas les voir grandir. Cette femme, il ne va plus la préserver. Cette femme, elle n'a connu que lui, elle veut que lui. Elle ne pourra plus revenir à lui. Et lui, il veut elle. Il ne peut plus revenir à elle. Et la situation, elle est comme ça. Il souffre, elle souffre. C'est quoi la cause? C'est pas qu'elle a eu ce comportement, qu'il a eu ce comportement, qu'il n'a pas passé. La vraie cause, c'est qu'il ne contrôle pas sa langue. Il n'était pas maître de sa langue. Pourtant, on a mis le talak dans sa main à lui, parce que c'est un homme. Et qu'elle, elle n'était pas capable de maîtriser sa langue. Mais lui, c'est pas une parole prononcée après réflexion, après étude, après cause, après. Non, c'est une parole qui est sortie comme ça, suite à une raison, une autre, une provocation. Mais des suites de cela, est-ce que c'est que son affaire à lui? Maintenant, c'est devenu toute une affaire familiale. Il a cassé, brisé une femme. Non. L'une d'entre elles, elle dit à son époux, elle demande la séparation. Elle insiste et lui, il dit non. Puis elle le provoque et le pousse dans sa virilité jusqu'à ce qu'il s'énerve, insulte et la divorce. Au moment où il la divorce, elle fond en larmes. Elle lui dit, mais tu m'as divorcé? Regardez la bêtise. Elle le provoque. Elle lui manque de respect. Elle prend des péchés et des péchés et des péchés. Et quand il prononce ce qu'elle a demandé ce temps-là, c'est elle tombe, elle pleure, elle le blâme. Ajibullah. C'est quoi la cause encore? El-Lisan. El-Lisan. Si l'homme craint Allah dans sa langue, parce qu'il sait qu'Allah c'est Sami', si la femme craint Allah azza wa jalla dans sa langue, parce qu'elle sait qu'Allah azza wa jalla c'est Sami', combien de, yani, de mots seront évités? Combien ont fait des accidents suite à des da'awat de leurs propres parents contre eux? L'un d'entre eux, il manque de respect à ses parents et il sort la nuit, comme il avait l'habitude de le faire dans le haram, les endroits haram, mixité et autres. Il est en chemin, dans l'autoroute, et sa mère l'a insulté, elle l'a maudit. Et dans un tournant, la voiture, elle s'est retournée. Elle a parlé au coucher du soleil. Et il a fait l'accident avant la moitié de la nuit. Regardez les al-lisan. Le prophète m'a dit, n'invoquez pas contre vos enfants. Les dua des parents s'exaucer sur leurs enfants. Donc on dénombre nos mots, on retient nos langues. Parmi les effets bénéfiques de la connaissance du nom d'Allah Azza wa Jalla, Sami' al-Sama', c'est le fait d'utiliser sa langue dans le bien pour se rapprocher d'Allah, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire dua, pour lire le Coran, pour faire du dhikr, pour appeler au bien, pour blâmer le mal. Et un grand bénéfice, c'est savoir demander à Allah Azza wa Jal par l'intermédiaire de ce nom, ce qu'on appelle le tawassul. Allah nous dit en Coran, fad'u biha, invoquez-le donc avec. Du'a mas'ala ibada. Du'a mas'ala, c'est le fait de demander à Allah Azza wa Jal en mentionnant un nom qui a une relation avec ta demande. Donc tu vas dire Allahumma urzuqni dhurriyatan salihatan tayyibatan mubarakatan innaka sami'u du'a. Par exemple, oh Allah, accorde-moi une descendance pieuse et bénie. Tu es celui qui répond, celui qui entend et répond aux invocations. Donc en connaissant ce nom, tu vas savoir faire dua. Tu vas demander à Allah Azza wa Jalla et tu placeras ce nom-là dans ta demande. Tu dis Ya Samir, puis tu demandes. Wadah. Et les prophètes utilisaient ce nom dans cette demande. Comme Ibrahim alayhi salam dans Mada inna Rabbi Samir ud-du'a. Naam, dans le passage connu du Coran où il fait du'a. Il demande à Allah Azza wa Jal, wa junubani wa bani an na'bud al-asnam.
Éloigne-moi ainsi que ma descendance de l'adoration des idoles et d'autres choses. Et il dit Inna Rabbi la sami'u du'a. La du'a d'Ismaïl, Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'u al-alim. La parole d'Ibrahim et d'Ismaïl, lorsqu'ils ont construit la Kaaba, ils l'ont élevé. Innaka anta sami'u al-alim. Faisait du'a en utilisant ces noms d'Allah Azza wa Jal. Dans la dua de Zakariya, pour qu'Allah Azza wa Jalla lui accorde une descendance. Innaka sami'u du'a. Tu es celui qui entend, qui répond aux invocations dans Ali Imran, verset 38. Dans la dua de la femme de Fir'aoun, Afwan, dans Imratu Imran, l'épouse de Imran, lorsqu'elle a fait le vœu de ce qu'il y avait dans son ventre, la mère de Maryam. فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Accepte cela de moi. Et elle a fait le vœu que ce qui est pour, dans son ventre, c'est pour Allah Azza wa Jal. Na'am, pour Allah Azza wa Jal, sera dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et sera le responsable du sanctuaire. إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Tu es certes toi, l'audient et le savant. Allah Azza wa Jal les a tous exaucés. Allah Azza wa Jal les a tous exaucés. Et dans la dua de Yusuf alayhi salam, lorsqu'Allah Azza wa Jal l'a préservé de la des manigances des femmes, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahum innahu huwa as-sami'ul 'alim. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a préservé Yusuf de leurs manigances, il nous dit c'est certes lui l'audient et le savant. L'audient et le savant. Et lorsqu'on est sujet aux insufflations du shaitan, Allah Azza wa Jal nous a ordonné dans le Coran de l'invoquer et de le mentionner en ces termes. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعُمْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Puis il nous dit إِنَّهُ وَسَمِعُ الْعَلِيمُ. Et si shaitan te vient et te et essaye de t'insuffler de mauvaises choses, cherche refuge auprès d'Allah. C'est certes lui l'audient et le savant. C'est certes lui l'audient et le savant. Voici le sens du nom d'Allah Azza wa Jal. Voici un des noms d'Allah Azza wa Jal, As-Sami'. Voici l'attribut As-Sam'. Et voici les deux sens. Puis voici les trois sens du premier. Et que c'est une preuve du fait qu'Allah soit le seul à mériter entièrement l'adoration, puisque les fausses divinités n'ont pas cet attribut-là, à cette perfection. Et pour finir, voici les effets bénéfiques dans la vie du croyant. Na'am. Dans cette aqidah-là, cette bonne croyance-là, voici ses effets dans la vie du croyant. Et inshallah ta'ala, on étudiera également le nom d'Allah, Al-Basir. Wallahu a'lam wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillah. Alladhi bi ni'mati tatimmu s-salihat.